Et vous découvrez pour la première fois la sculpturale Paola. Tout à fait. Oui. Un point sur votre cagnotte, 93 000 euros. Mais attention à l'achat des risques, 4 000 euros l'année d'écart entre votre estimation et l'âge exact de Paola. Alors, première idée, à votre avis, quel âge a-t-elle? Waouh, moi je sais pas, hein, j'ai du mal à donner. Toi, tu dirais quoi? Pour l'instant, vous avez vie, tout le monde. Oui, c'est ce que j'allais dire, on s'est mis tout le monde à dos. Peut-être qu'on commence à un conseil, partez par l'issue de secours tout à l'heure. Oui. Entre 35 et 40 ans? Alors moi, je dirais peut-être un peu moins. Oui, parce que maintenant, elle a peur. Voilà, elle a peur, Sarah. Entre 30 et 35, je dirais. Entre 30 et 35. Moi, je dirais entre 30 et 35, mais c'est encore de l'instinct. Déjà, la question qu'on a envie de poser pour vous, c'est une mademoiselle ou une madame, avec votre théorie de tout à l'heure? Plutôt une mademoiselle, justement. Plutôt une mademoiselle. Eh oui, je sens le regard vif. Je pense que c'est une dame, quand même. Moi, je sens un regard vif, je sens... Cette rieur... Elle a l'œil rieur. La petite... Ah ouais. On peut voir vos mains? Ah, super, merci. Alors, experte en main? Bon, écoute... Moi, j'aurais dit 35, puisque 30, moi. On baisse un peu. 33 pour l'instant, oui, on peut changer de toute façon. Alors 33 ans. On part donc sur 33 ans pour Paola. Trois indices pour vous aider. La chanson, le zoom ou l'événement. Choisissez bien, pensez à la suite du jeu aussi. J'ai pas d'idée, donc c'est toi qui j'ai décidé celui d'avant, tu décides celui-là. Là, ça s'appelle refiler la patate chaude. Exactement. Bon, alors, la chanson, si on lui donne 35 ans, 30, 33, est-ce que ça nous dirait quelque ça chose? Ça nous donnera une fourchette. Ouais, et l'événement dans ce cas-là? Ça dépend de l'événement. Là, si on a... Merci. Si on a une personne plus âgée. C'est bien. C'est que vous la laissez décider, mais vous l'aidez pas du tout, en fait. Non, j'adore la laisser comme ça. Mais essayez d'aider Sarah un petit peu, quand même. Oui. Tu fais quoi, le zoom? Parce que l'événement, si on a quelqu'un de plus âgé après, ça va peut-être pas nous aider, encore, enfin, encore moins nous aider. Peut-être l'utiliser maintenant. Peut-être. Je suis pas sûre, parce que... La chanson, vous êtes sortie d'une comédie musicale, enfin d'une école de comédie musicale, ça devrait vous parler. Ouais, allez, la chanson. On est joueurs, hein. Allez. Allez. Alors, la chanson. C'est parti. On part donc sur la chanson. Eh oui. Vous reconnaissez ce... Je crois que c'est un trio. Alors, je sais moi, pas qui... Je connais la chanson, oui, mais je suis incapable voilà. de dire qui chante. Richie et Poveri, Sarah Perchetti Amo. Et là, on parle de la sortie du 45 tours de Richie et Poveri en France. Ah. 45 tours. Ça nous 45 tours, on les mange 10 tours. Années 70 ou 70. Franchement, j'ai envie de te dire... Bah, non, mais oui, faut qu'on... Oui, c'est... Oui. Donc ça veut dire qu'elle a beaucoup plus que 33 ans. Mais c'est pas années 70, hein. C'est quelle époque? Si c'est années 70, c'est fin d'années 70, c'est quasiment 80. Si c'était 80, donc plus, ça voudrait dire qu'elle a 37 ans. Moi, je le sens pas comme ça du tout. Moi, je peux le sentir comme ça. Et puis, on prend un peu plus. Votre première estimation, c'était 33. Oui, mais du coup, l'indice nous fait vieillir un peu. Cette chanson est plus... Si c'est 33, ça fait qu'elle est née en quelle année? Ça fait quelle année? Ça ferait... Ah, elle danse, elle danse, ça y est, elle a le rythme. Ça ferait 86. Non, je rappelle que votre point fort, c'est le calcul mental. Attention, n'oubliez pas de peser. C'est trop. Non, non, 38. Bah écoute, fais ce que tu veux, moi je te dis c'est trop. 38, 37. Dépêchez-vous, attention, ouais. C'est trop tard. C'est 38. Vous risquez gros, je vous écoute. Donc 37 ans. 37 ans. Et Sarah n'a pas l'air d'accord du tout. Tu m'as fait baisser, moi je pensais plus. Ah non, mais justement, moi je pense pas, mais... Alors, écoute, c'est bien. C'est validé 37 ans. On va voir. Oh là là. Paola, avez-vous oui ou non 37 ans? Non. C'est peut-être toi qui vas m'en vouloir. Là, nous sommes au palier à 4000 euros d'année d'écart. Regardons jusqu'où descend la cagnotte. Oh là 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 là. 4000 euros, un an d'écart. Vous voyez bien. Incroyable. Donc, a priori, c'est plutôt Sébastien qui était proche de la réalité. On est d'accord. Est-ce que c'est 36 ou 38? D'après vous? Moi je pense 38. Moi 36.
On va voir. Paola, quel âge avez-vous? 36 ans. 36 ans, vous avez raison. C'est bien quand même. Merci beaucoup, Paola. Attention à la marche. Bien joué. Un an d'écart. Allez, on continue avec la